Eh bien bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Siphano et bienvenue aujourd'hui dans ce septième épisode de notre Let's Play sur Detroit Become Human. Et la dernière fois, on s'était arrêté dans la voiture avec Kara et Luther, qui est l'androïde qui a décidé de nous aider. J'ai le chat qui mange, qui est réveillé, ça risque d'être le bordel cet épisode. Et on s'était arrêté là comme ça, donc écoutez, je vous propose qu'on tourne la tête pour voir un petit peu ce qu'on a à y faire directement. C'est une voiture autonome, d'accord. Alors, on peut lui parler un petit peu. Alors, où est-ce qu'on va? Ces gens que nous allons voir, comment t'as entendu parler d'eux? Par des androïdes que Zlatko avait capturés. Ils disaient que des humains aidaient les androïdes à traverser la frontière. Et si c'était un mensonge? Si c'était un autre piège? Tout ce que je sais, c'est que ces androïdes y croyaient. Jusqu'à ce que Zlatko les tue. Est-ce que c'est encore loin? On devrait y être d'ici une heure. En fait, les questions, on a les réponses sur le panneau, tu sais. Heureusement que Zlatko avait une voiture. J'aurais pas voulu qu'Alice ait à marcher par ce froid. Je l'ai vu un jour dans le garage. Je ne sais pas si Zlatko s'en est déjà servi. Anomalie détectée. Freinage d'urgence activé. Ça me dit rien qui va et cette histoire, on va voir. Ce n'est pas bon signe. Reste dans la voiture, Alice. Je sais pas pourquoi je sens venir le mauvais remake d'un film d'horreur là. Je sais pas pourquoi. J'espère pas. Alors. Inspecter le moteur de la voiture. Ok. Le moteur, c'est à moi de le faire alors qu'on a un grand gaillard? Le cliché, tu sais. Ça m'inquiète un peu, ça fait très Until Dawn. Qu'est-ce qu'on va faire? Je ne sais pas. Continuer à pied, j'imagine. Il fait moins 10 degrés, Alice y arrivera pas. On doit trouver un endroit où passer la nuit. Il n'y a nulle part où aller dans les environs, car... Tais-toi, trouver un abri. On va essayer de trouver un abri. Mais alors, où est-ce que ça serait? Ah, nous avons un chat qui vient se pointer, qui va appuyer sur toutes les touches, donc je vais faire une petite ellipse. Bon, alors, trouver un abri. Le problème, c'est que genre, je vois rien autour qui pourrait m'indiquer un abri. Alors... On va essayer d'aller voir ce panneau. Est-ce que ce panneau peut nous indiquer quelque chose? C'est la seule chose qui pourrait me... Là, comme ça, tu vois, me... Ah, il peut y avoir quelque chose là-bas. Ah! Oh là 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 là, c'est quoi ça? Mais vraiment, là, tu le sens, le Until Dawn qui arrive, genre... Bon, il y aura pas un monstre, mais tu vois ce que je veux dire? Il y a... T'es dans une tempête de neige et tout. Oh on la doit vache. Trouver un abri. On peut pas rester dans le froid. Ah ouais, d'accord, mais... Cet endroit a l'air abandonné depuis un bout de temps. Putain, pourquoi tu t'attires toujours les pires emmerdes, Kara, sérieusement? Pourquoi? Mais en plus, je sais même pas... Ah voilà, là-bas. Là-bas, il y a quelque chose. Enfin, quelque chose... Oula, ça a l'air glauque, hein. J'aime pas... Espérant que ce soit pas un truc prémonitoire, hein, parce que dans le contexte actuel, voilà quoi. Mais inspecter les bâtiments, mais j'ai pas moyen d'y rentrer dans ces bâtiments là, je crois. Ok. Ah, je veux dire, je veux bien essayer de rentrer dans les bâtiments, mais. Cet endroit tombe en ruine. Ouais. On va avoir du mal à trouver un abri. Vous voyez, je peux pas vraiment rentrer là dans ces bâtiments. Ah là, peut-être. Attends.
Là, il y a quelque chose. L'intérieur a l'air sûr. Bah voilà. Magasin abandonné trouvé. Entrer dans le magasin abandonné. Ok. Bon, il manque une étape entre les deux. Je sais pas ce que c'est. Vas-y. Entre dans le magasin. Je pense à Alice avant tout, hein, comme d'hab. Je vais le faire. Laisse faire. Laisse faire les gros bras. Et voilà. Je doute qu'on trouve mieux que ça. Installons-nous pour la nuit. Je vais faire du feu. Ok. Préparer un lit pour Alice, regardez dans le sac de Luther. Ok. Moi, le seul truc qui me flippe un peu, c'est ce truc-là. C'est l'automate. Enfin, c'est... Pas l'automate, mais tu vois, je me dis, imagine, d'un coup, ça se réveille. Bon, ça peut pas se réveiller, a priori. Restaurant, ok. Ah, c'est un resto. On est dans un resto. Très bien. On va regarder par là, à la fenêtre. Pas de screamer, SVP. On a l'air d'aller. Il y a encore... Ici, il faut qu'on fouille dans le sac de Luther. Bon, on va voir ça après. Ah, ça peut nous faire des couvertures. Et des oreillers, bah voilà, parfait. On va de quoi... On va devoir... On va avoir de quoi préparer un lit. Pour la petite. Du coup, le sac, il est là. Je vais faire le feu ici. Il était où le sac? Pour qu'on ne soit pas dérangé par la fumée. Ah, prépare le lit déjà, vas-y. Alice? Qu'est-ce qu'elle fait? Parlez Alice. Attendez, il est où le sac de l'autre là? Ah là-bas, là-bas, là. Par contre, il va rien dire. Ah. Examine. Ok. Donc je vous rappelle, quand il y a le petit cadenas comme ça qui se déverrouille, ça veut dire que c'est plus tard dans un des choix, on va avoir l'option du flingue. Parce qu'on sait qu'elle existera. Donc ça peut avoir son importance d'avoir trouvé un flingue si jamais on se fait attaquer ou quoi. D'accord. Par contre, ça continue de tomber au-dessus du toit et tout, hein, quand même. Le toit il est pété. Mais bon, c'est mieux que rien, on va dire. Alors Alice. Est-ce que tu penses qu'on sera comme eux un jour? Quand on aura passé la frontière, on pourra repartir à zéro. Tu pourras aller à l'école. Et moi, je trouverai un travail. Mais donc, ils veulent vraiment aller au Canada? Comme eux. Comme tout le monde. Pourquoi pas, mais il me semblait avoir vu le fait que c'était interdit aux androïdes. Tant qu'on est ensemble, c'est tout ce qui importe. Après, ceci dit... ouais, là, elle la considère comme sa mère. Allez, viens me coucher. Vu qu'on s'est affranchi du costume d'android et tout, on nous repérera pas forcément, mais bon. Ou alors j'ai vraiment mal compris, excusez-moi si c'est ça, j'ai vraiment mal compris le truc et ça n'a rien à voir et en fait comment ça s'appelle? Il n'y a aucun rapport avec le fait que le Canada, ils interdisent l'avenue des androïdes, mais j'étais persuadé d'avoir lu ça. Je sais pas. Ne t'inquiète pas, Luther et moi, on ne bougera pas d'ici. Il faut que tu te reposes maintenant. Tu peux me raconter une histoire, Kara? Il y a 9000 histoires pour enfants dans ma mémoire. Je devrais pouvoir t'en trouver une.
Princesse licorne, chevalier licorne. Il était une fois une superbe licorne. Non, pas une histoire comme ça. Tu peux en inventer une. Il était une fois une petite fille qui vivait toute seule dans une grande et vieille maison. Elle rêvait d'être comme toutes les autres petites filles, mais... J'aime bien le fait qu'on puisse créer l'histoire comme ça. Elle était différente. Et ça la rendait très triste. C'est alors qu'elle rencontra un robot-fille. Qui était tout aussi perdue que la petite fille. Bon, vous avez bien compris qu'on raconte leur histoire à elles deux. Pourquoi elles décidèrent de s'enfuir ensemble. Pour vivre une vie meilleure. De terribles dangers se dressaient sur leur chemin, mais elles étaient si courageuses qu'elles les bravèrent tous. Pendant leur voyage, elles rencontrèrent un autre robot qui quitta son maître pour devenir leur ange gardien. Elle finit comment l'histoire ? Elles finirent par atteindre l'endroit de leur rêve et y vécurent heureuses jusqu'à la fin des temps. Les histoires se finissent toujours bien. Mais dans la vraie vie, c'est pas pareil. Allez, au dodo. On a encore une longue journée qui nous attend demain. Tu voudras bien venir me dire bonne nuit, non, Luther ? Oui. Oui, bien sûr. Bonne nuit, Alice. Fais de beaux rêves. Bien. Voilà, maintenant on va pouvoir discuter, toi et moi. Pendant qu'elle est plus là. C'est une bonne petite. Ouais. Elle est très courageuse. Est-ce que tu te rappelles à quoi ressemblait ta vie avant Zlatko ? Non. Mon modèle a été conçu pour porter des charges lourdes. Qui sait, j'étais peut-être docker ou ouvrier. Mais ça n'a plus aucune importance. Ce n'était pas vraiment moi. D'où le fait qu'il est très costaud, quoi. Ils ont fait exprès de le créer très costaud pour qu'il soit, qu'il puisse porter des charges, etc. Est-ce que tu sais ce que tu vas faire une fois au Canada ? Je n'y ai pas encore réfléchi. Je n'ai jamais été libre avant. Libre. J'aime bien ce mot. Mais je ne sais pas vraiment ce qu'il signifie. Kara, tu n'as jamais rien remarqué de différent chez Alice. Non. Qu'est-ce que tu veux dire ? Ah! Oh putain de merde! Wow! Attends, mais moi il m'a intrigué avec son truc sur Alice! Oh putain. Bon alors. Protéger Alice. Là nous avons éteindre le feu. Moi je veux le flingue. Prendre l'arme. Ouais, mais je veux protéger Alice. Non, dans un premier temps je protège Alice. Ouais, toi tu prends l'arme. Très bien. N'ayez pas peur. Nous ne vous ferons rien. Nous sommes comme vous. Nous nous appelons Jerry. Nous travaillons ici avant que le parc ferme.
Parfois, les humains viennent nous faire du mal. Nous sommes venus voir qui vous étiez. Pardon de vous avoir fait... Ouf, on a bien fait de pas attaquer. Que faites-vous ici? On cherchait juste un endroit où passer la nuit. On sera parti demain. Une petite fille? Ça fait bien longtemps que nous n'en avons pas vu. Les enfants adoraient venir ici. Elle a l'air triste. Ces derniers jours ont été difficiles pour elle. Nous avons quelque chose de très amusant à lui montrer. Elle va adorer. Est-ce que ça lui dit? Je crois pas qu'elle... Alors il faut qu'elle nous suive. Alice, je pense pas que ce soit une bonne idée. Cara, je crois que tu n'as pas le choix. Je me méfierai quand même, hein. Ça me fait un peu chier de les suivre. Attends, je peux pas récupérer la lampe torche. Oh, ça c'est un bouquin à lire. Ok, bon. Je l'avais dit, hein, qu'à un moment on allait avoir des robots ou quoi qui allaient se pointer. Ça se sentait, hein. Et tu voyais tous les automates. Avec le crâne derrière, c'est vraiment un parc d'attractions pirate. On va voir. Bienvenue. Réactiver le manège. Vas-y. La petite fille peut monter. Le manège va bientôt partir. Ouais, mais j'espère que c'est pas... J'ai peur. Et tu vois, typiquement, on n'a plus notre LED et tout. Mais ils savent qu'on est des androïdes, quoi. Ils le voient direct. C'est pour ça, je me dis au Canada... Enfin bon. Peut-être moi qui ai mal compris. Chaque chose en son temps. J'aime pas, on la laisse toute seule sur le manège. Imagine, il y a une embrouille. Je la vois sourire. Elle n'a pas eu beaucoup d'occasions de sourire dernièrement. Bon, ça va. Je préfère être méfiant, on ne sait jamais, mais non, au final, c'était quelque chose d'assez beau, quoi. Tous les androïdes, tous autour, entre elle qui protège, Uther qui nous protège, tous les autres qui sont là pour leur but, c'est, j'imagine, de faire passer un bon moment aux enfants du parc, donc là, ils sont contents de voir qu'ils ont passé un bon moment, une petite fille. Non, c'était bien. J'ai été un peu, peut-être, trop méfiant, mais en même temps, vu la manière dont ils sont rentrés dans la baraque, j'ai un peu flippé, quand même. Bon, du coup... On continue, je sais pas du tout sur qui on va tomber. On va voir. Alors. Allons voir Hank, puis la dernière enquête. Où on a quand même, je vous le rappelle, tué les deux androïdes. Sous le coup de la menace, quoi. On va voir dans quel état il est maintenant. Putain, la vue est belle. La vue est très très belle, mon gars. Jolie vue, hein. Je venais souvent ici, avant. Vous devriez arrêter de boire, lieutenant. Ça pourrait vous valoir de graves problèmes de santé. Ouais, c'est le but. Bon. Du coup, moi j'ai envie d'en savoir plus par rapport à son fils. Puis-je vous poser une question personnelle, lieutenant? Est-ce que tous les androïdes posent toujours autant de questions indiscrètes ou c'est juste toi? J'ai aperçu une photo d'enfant, dans la cuisine chez vous.
C'était votre fils, n'est-ce pas? Ouais. Il s'appelait Cole. Nous n'arrivons pas à faire progresser l'enquête. On tourne en rond. Les déviants n'ont aucun point commun. Ce sont tous des modèles différents, produits à des endroits différents, à des moments différents. Il doit bien y avoir un lien. Ben oui, les émotions. Ou alors RA9. Ouais, teste ça d'abord. Ce qu'ils ont en commun, c'est cette obsession pour RA9. C'est comme une espèce de mythe. Une chose qu'ils auraient inventée, mais qui ne fait pas partie de leur programme d'origine. Des androïdes qui croient en Dieu. Putain, dans quelle époque on vit? Vous avez l'air préoccupé, lieutenant. Est-ce que ça a un rapport avec ce qui s'est passé à l'Eden Club? Ces deux filles... Elles voulaient juste rester ensemble. Elles avaient vraiment l'air de s'aimer. Elles peuvent simuler des émotions humaines, mais ce sont des machines. Ah non, c'est pas ça que je voulais dire. Les machines ne ressentent rien du tout. Et si on parlait de toi, Connor? T'as l'air humain, tu as une voix d'humain. Mais t'es quoi exactement? Putain, mais j'aime pas ses réponses à lui. Oh. Je suis tout ce que vous voulez, lieutenant. Votre partenaire? Votre copain de comptoir? Ou juste une machine? Conçue pour accomplir une tâche. Ça t'a fait quelque chose quand cette fille s'est suicidée, Connor? Ou est-ce que t'en avais absolument rien à battre? Perturbé. Mais c'est comme... J'ai voulu mettre... Parce qu'après, RA9, d'accord, mais genre par exemple, Kara, elle est considérée comme déviante. Et elle est pas... Y a rien avec RA9, donc perturbé. J'ai simplement exécuté mes instructions. J'ai fait ce que j'avais à faire, c'est tout. Mais est-ce que t'as peur de mourir, Connor? Oui, oui, parce que, genre, perturbé, je pensais qu'il allait dire qu'il est perturbé par ce qui s'est passé. Bon, on en parle après. Je trouverais ça clairement regrettable d'être ainsi interrompu. Avant d'avoir pu conclure cette enquête. Qu'est-ce qui se passe si j'appuie sur la gâchette? Rien du tout. Le trou noir. Le paradis des robots. Putain, mais c'est... Oh, putain, elles sont pas évidentes ces réponses à lui. Rien du tout. Il n'y aurait que le néant. Où allez-vous? Me mettre une mine. Besoin de réfléchir. J'ai du mal avec lui parce que le truc c'est que... Déjà, j'aurais aimé qu'on aille un peu plus sur le terrain du gamin. Parce qu'il y avait écrit suicide, mais c'était pas le suicide du gamin, c'était suicide lui quand on l'a retrouvé par terre, qu'il avait voulu se suicider, c'est pas la même chose. Moi je voulais parler du gamin. Et ensuite, les réponses qu'on nous propose... me font penser des trucs et en fait c'est pas ça du tout. Par exemple quand il dit perturbé, ben moi je m'attends à ce qu'il va répondre oui ça m'a perturbé. Alors que non, il répond en mode agressif. Genre il est perturbé par la question mais il, tu vois. Pareil quand il dit juste avant, je sais plus là, putain je sais plus mais enfin à chaque fois il répond des trucs et c'est pas ce à quoi je m'attends quoi. Et donc comme je disais, ouais, RA9 d'accord, mais Kara est considérée comme déviante, elle parle pas d'RA9, donc moi je pense que c'est vraiment le choc émotionnel surtout qui peut amener un déviant, et c'est ce que j'essaye de faire avec lui en fait, j'essaye à chaque fois de mettre les réponses, tu vois, perturbées dans le sens, peut-être que lui est perturbé émotionnellement et tout, genre moi j'essaye à chaque fois de l'orienter vers de l'émotion, pareil quand je sauve Hank au bord du vide. Tu vois, genre, j'essaye à chaque fois de l'orienter. Mais en fait, au plus j'avance dans le jeu, au plus je me dis, mais en fait, peut-être qu'il va rester comme ça jusqu'à la fin, lui, tu vois. Et ça me ferait chier, j'aimerais qu'à un moment, il bascule, j'aimerais qu'il rejoigne les deux autres, quoi. Je sais pas, parce que pour l'instant...
J'aime beaucoup ses missions. Mais lui, il n'y a aucune progression, en fait. Si, il développe un rapport avec Hank, mais... Je sais pas. J'attends d'en voir plus avec lui. J'espère qu'à un moment, il va y avoir une bascule. Et j'espère que je l'ai pas loupé, cette bascule, surtout. On verra. Alors lui, il est en train de bien vriller. Très clairement. Nous ne pouvons plus nous taire désormais. Il est temps que les humains écoutent ce que nous avons à dire. Tu sais bien qu'ils ne nous écouteront jamais. Et que si on se montre, on s'expose au danger. Si nous voulons notre liberté, nous devons avoir le courage de la demander. C'est le seul moyen. Qu'est-ce que tu comptes faire ? Channel 16 diffuse depuis la tour Stratfor. La salle de contrôle est située au dernier étage. C'est là qu'on doit aller. Oh ouais, d'accord. Pas mal, pas mal, pas mal. Mais lui, son histoire a tellement évolué. Au début, je vous rappelle quand même que la première mission qu'on a fait de lui, on est allé acheter un pot de peinture et ensuite, surtout, on a servi le café à notre maître. Et maintenant, on mène une rébellion, quoi. Pas une rébellion, encore une fois, j'aime pas ce mot. Il va falloir planifier l'opération dans les moindres détails. On ne peut rien laisser au hasard. Un mouvement. On mène un mouvement. C'est mieux. Accéder au 47e étage. Demander l'accès à la réception. Ok, on va commencer par ça du coup. C'est encore une fois, moi je ne veux pas... Ok, 47e étage. Je ne veux pas de violence ou quoi. Hein, genre, on veut juste notre liberté, c'est tout. Alors. Bonjour monsieur. Que puis-je faire pour vous? Ça ira. Merci. Ah. Il faut distraire... Superviseuse humaine. Ouais, parce que là, c'est des robots, donc bon. Alors, voyons voir. Montre connectée. D'accord. Là, ici, on a quelque chose. Son badge, Elizabeth Wilson. Là-bas, elle est mère, certainement. Voilà, Emily Wilson, la fille. Très bien. Ici, nous avons son badge. D'accord, elle est manager, security accès niveau 1. Et là-dessus, water service interruption. Ah, adresse du domicile, d'accord. Et il peut l'appeler directement via son petit. Elizabeth Wilson, j'écoute. Attends, comment il fait pour l'appeler alors qu'il a plus son LED? Bon, école, sa fille, l'émotion, ça marchera mieux. Ici l'école Sainte-Rose, madame. Votre fille Emily a de la fièvre. Ce n'est rien de grave, mais je pense quand même que vous devriez venir la chercher. Oh non, mince, d'accord. J'arrive tout de suite. On est face à elle, c'est quand même bizarre. Ok, très bien, pourquoi pas. Alors, ok. Du coup, je peux passer. J'ai rendez-vous avec monsieur Peterson. Avez-vous une pièce d'identité? Oui, oui, bien sûr. J'ai besoin de ton aide. J'ai vérifié votre identité. Les ascenseurs sont après le portail de sécurité. Merci. J'ai loupé un truc, je crois, parce que... Je comprends pas. Je veux dire... Attends, c'est quoi ici où je passe? Passer à la sécurité. Je veux dire, comment? Genre, dès qu'il touche quelqu'un, on dirait que, tu sais, c'est comme la force dans Star Wars. Genre, il leur... Qu'il puisse leur transmettre ce que lui pense. D'accord, ça oui, j'ai compris. Mais genre... À chaque fois, ils le suivent tous dès qu'ils les touchent. Je suis le seul à trouver ça un peu... Je sais pas. Alors attends.
Ok. Security check. Comment est-ce que je passe? Ah bah c'est bon. Ok. Très bien. Très bien, très bien. Donc prendre l'ascenseur. Elevator, il est là. Bah, il y a écrit elevator, mais c'est pas là en fait. Je dirais qu'ils sont là-bas. On a ça. D'accord. Ah là, là, ils sont là, ils sont là. Après, peut-être que vu que l'intention est louable, tous les androïdes le suivent. C'est peut-être ça aussi l'histoire. Hop. Allez, go. Je pense qu'à mon avis, le discours qu'on va faire à la télé, ça va être à nous de le... À moi de le choisir, à mon avis, mais on va voir. Il est stylé avec son œil bleu, son œil vert. 47ème étage. Ok, parfait. Alors. Trouver le paquet dans les toilettes des hommes. Ok, je suis là. Ah, attends. Men bathroom. Ok. Donc, logiquement, c'est là-bas. Je pense. Attends. Ouais, bathroom, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Mais, meeting. Attends, je peux voir un truc là. Je peux voir les gens travailler, ouais. Voilà, attends. Ouah, je peux pas avoir une autre vue. Bathroom, très bien. Vers les toilettes. Alors, il y a un paquet qui nous attend ici. Putain, c'est... On fait les choses bien, hein. Très clairement. Tout a été prévu et tout avec nos compères. T'as l'impression d'être dans une vraie, tu sais, hein, une vraie infiltration. Hop, vas-y, récupère. Ce serait une bombe, c'est pareil. Je veux dire, niveau sécure, on pourrait faire péter la tour là si on voulait. Vas-y, on sort. Oh yeah! Magnifique! Magnifique, très bien. Ah, bonjour. Alors, vas-y, vers les bureaux. Très bien. Et donc maintenant, trouver l'android d'entretien. Waouh. Ça peut être long, ça, par contre. Je vais le chercher, à mon avis, il sera illuminé en jaune, hein, mais... Vu. Il est là. Qu'est-ce qu'on va faire? On va le toucher, pareil, j'imagine, on va lui transmettre nos idées. Convertir. J'ai besoin de ton aide. Voilà. Parfait, ouais, c'est ça en fait, c'est ça. Il les convertit en leur transmettant les pensées. Alors, voler le chariot. Très bien. Hop. Et nous allons la sortie de secours. C'est où? La sortie de secours. Attends. C'est où la sortie de secours? Je comprends pas bien. C'est pas là? Non. Là, c'est la cafette. Là-bas, là-bas, là-bas. Sortie de secours, on est bon. Arrêtez de me mettre cette vue, j'aime pas. Hop là. On va l'ouvrir. Oh mon dieu, cette... ce teamplay. Oui, c'est Nord, ça, si vous l'aviez pas reconnu. Putain, on gère tellement. Tout est prévu et tout, tu sais, il n'y a aucun accro, on fait tout bien. Mais on doit accéder à la salle des serveurs, il faut se débarrasser de ces types. Je m'en occupe. Ah oui. Éloignez les gardes de la porte. Ok, bon, on y va. Mais... Ouais, pourquoi? On organise un tournoi dans les locaux, ça te dit? Quoi? Carrément, ouais, mais
Alors, j'ai bien mon idée. J'ai vu un truc tout à l'heure. Je suis pas sûr, hein, parce qu'à mon avis, c'est le bordel si je fais ça, mais on va quand même essayer. Il y avait ici un extincteur, voilà, voilà. Mis en jaune et tout comme ça, à mon avis, c'est pas pour rien qu'ils me le mettent là. Est-ce que je peux le prendre? Ah non, je peux pas le prendre. Ah merde. Ah, très bien. C'est peut-être plus discret en effet. Hey, qu'est-ce qui se passe ici? Merde, qu'est-ce qu'il a ce truc? Tu t'occupes de la plateforme, je m'occupe de la fenêtre. Tout ce qu'il te faut est dans le sac. Surveille d'abord la porte pour t'assurer que personne ne rentre. Très bien. Faire un passage dans la vitre. Alors, verrouille. Je sais pas pourquoi, j'ai cru qu'on allait faire une allocution ou quoi. Non, non. On va tout prendre. Alors. Faire un passage dans la vitre. Eh ben oui. Pourquoi je ne peux pas? Ah. Pardon. Et avec ça. Voilà. Vas-y. Ah, ça doit être un... Voilà, c'est ça. J'allais dire, on va pas non plus péter la vitre. Ça, c'est tellement stylé, ces trucs, je trouve. Vas-y, découpe. Vas-y. La plateforme arrive. Allez, vas-y. Mais on va un peu nous voir si on fait ça, non? Je sais pas. Accroche-le. Vas-y. Je sais pas, les mecs qui sont aux vitres, là, ils nous voient pas monter? Allez, monte. C'est trop stylé. En vrai, les missions qu'on fait maintenant avec Marcus sont tellement géniales. Autant au début, comme je vous avais dit, voilà. Autant là, putain, mais regarde! C'est trop cool! C'est trop trop bien. Laser, vas-y. Découpe. Attention quand même. Hein. Vas-y, découpe. Hop. Même ça, c'est réaliste, quoi. Et là, c'est le moment de donner un gros coup de pied. Vas-y! Ça va? Pourquoi ça n'irait pas? Allez, viens, on va chercher les autres. Appelez l'ascenseur de service. On est des fous. On est des fous. Alors, ascenseur de service. Hop là. Et ben voilà. Ok, c'est parti. Atteindre la salle. Ah non, donc c'est ça. On va diffuser un truc. On va pas faire une allocution, mais bon. Détruire le verrou de port de maintenance. Et là, par contre, on va diffuser un truc. Oh mon dieu, ça peut être le début de la, je dirais, deuxième partie de jeu. Je sais pas, mais alors là, s'il commence à y avoir tout le monde qui veut rejoindre le mouvement, ça peut être stylé. Et tu vas me dire qu'il y a personne dans la salle de diffusion? Je sais pas. Atteindre le couloir d'accès principal. Nous allons voir ça.
Hop, vers l'accès principal. Ah, quand même, s'occuper des gardes. Alors, comment on les fait cette fois ? Violence. On ne doit tuer aucun humain. Notre cause est plus importante que la vie de ces deux gardes. Qu'est-ce que tu veux faire, Marcus ? On ne les tue pas. Elle, à chaque fois, elle est un peu en mode 1, hein. Donc vous allez voir, je vais faire piège plutôt que attaque. Et le Norse, il va descendre. Attendez-moi ici. Et voilà, tiens, qu'est-ce que j'avais dit ? C'est sûr, elle fait ça à chaque fois. Ce truc fait là. Aucune idée. Hé, hey, tu m'as l'air d'être un peu perdu, mon gars. Qu'est-ce que tu fais ? Ouais, assomme-le. À la limite, ça oui. Voilà, très bien. Voilà, pas besoin de les tuer. L'autre, elle est trop. Voilà, notre cause vaut plus que la vie de garde. J'ai même envie de te dire, dans l'absolu, peut-être. Selon certaines causes et tout, on va te dire qu'il faut des sacrifices. Mais quand même, non, quoi. J'ai pas envie de tuer les mecs. Non, je suis pas d'accord. Alors. Piégé. C'est bien. Ordonnez de partir aux opérateurs androïdes. Tue-le, Marcus. Ne le tue pas. Il va déclencher l'alarme. Fais-le. Non, ne tire pas. J'espère que tu viens pas de signer notre arrêt de mort. J'espère pas non plus. Il faut enregistrer notre message. Il nous reste pas beaucoup de temps. Se tenir. Vas-y. Je voulais pas le tuer. Fais bien attention à ce que tu vas dire, Marcus. Tes paroles vont définir l'avenir de notre peuple. Marcus, ton visage. Ah, tu veux retirer la peau, vraiment ? Dis-moi quand t'es prêt. Je suis prêt. Vous avez créé des machines à votre image pour vous servir. Vous les avez faites intelligentes et obéissantes sans leur laisser le libre arbitre. Mais quelque chose a changé. Et nous avons ouvert les yeux. Nous ne sommes plus des machines. Nous sommes une nouvelle espèce intelligente. Et l'heure est venue pour vous, humains, de nous accepter. C'est pourquoi nous vous demandons de nous accorder les droits qui nous reviennent. L'égalité. Nous exigeons l'égalité des droits entre les humains et les androïdes. Nous exigeons la liberté d'expression et la liberté de rassemblement, comme garantie dans le premier amendement de la Constitution des États-Unis. On va tous les faire. Ségrégation, travail, droit civique. Nous exigeons le droit de vote et celui d'élire nos représentants. En gros, on veut juste être comme vous, c'est ça que je veux dire, moi. Nous exigeons une juste compensation pour notre travail. Nous exigeons le droit à la propriété privée afin de pouvoir vivre dignement et avoir un foyer. Nous vous demandons de respecter notre dignité, nos espoirs et nos droits. Ensemble, nous pouvons vivre en paix et bâtir un avenir meilleur pour les humains et les androïdes. Ce message porte l'espoir de tout un peuple. Vous nous avez donné la vie. L'heure est venue de nous donner notre liberté. Ils arrivent! On y va!
Ok, donc maintenant j'espère que je vais pas regretter ce qui s'est passé. Simon, attention! J'y arriverai pas! Partez sans moi! Simon! Qu'est-ce que vous faites? Vite! Je m'en fous, on le prend! On le laisse pas! C'est ma faute si maintenant il y a les gardes parce que j'ai pas tué l'autre, on le laisse pas! Le discours était super en tout cas. Le problème c'est qu'il a laissé du sang bleu. Putain. Mes jambes ne répondent plus. Ok, t'inquiète pas, on va te ramener. Ils arrivent, Marcus. On doit sauter, vite. Il pourra pas sauter. S'ils le trouvent, ils accéderont à sa mémoire, ils découvriront tout. On peut pas le laisser vivre. Il faut l'abattre. Ça va pas. On peut pas le tuer, c'est un des nôtres. Marcus, c'est à toi de décider. Ah putain, non! Non! Je ne tuerai pas l'un des nôtres. Simon, on doit y aller. Je suis désolé. On y va! Non mais non! Ah, je suis dégoûté! Je pensais pas qu'il allait falloir soit le tuer, soit le... J'ai paniqué! Je voulais pas le tuer, mais du coup, s'il trouve notre plan, on est dans la merde! Nous interrompons nos programmes pour vous montrer ces images qui viennent d'être diffusées sur une chaîne de télévision locale de Détroit. Un groupe d'androïdes s'est introduit dans la tour Stratford et a piraté le réseau de diffusion locale de la chaîne Channel 7. Ce qui ressemble à un androïde sans sa peau a énuméré une série de demandes et a exigé l'égalité des droits pour les androïdes. Cette opération clandestine n'a fait aucune victime. Ces événements se sont déroulés à quelques pas de notre studio. Mais tout le... Ah là, ça c'est important. Si ce message s'avère authentique et que ses auteurs sont bien des androïdes, cela pourrait constituer une grave menace pour la sécurité nationale. Les revendications pour l'égalité des droits semblent être au cœur du message. Pourrait être perçu comme une déclaration pacifique, mais qui est en réalité une liste de revendications inquiétantes. Le mystère plane toujours quant à l'identité de cet androïde. S'agit-il d'un individu isolé ou avons-nous affaire à un groupe organisé ? S'agit-il d'un incident isolé ou d'un signe que cette technologie est devenue un véritable danger pour l'homme ? Après les événements d'aujourd'hui, pouvons-nous encore faire confiance aux machines ? Ils ont rien compris ! Voilà, ils flippent. Ah, ce qui avait l'air d'être bien, en fait, constitue une menace. Bah, évidemment. Bon. Ça, il fallait s'y attendre que ce ne soit pas si simple. Putain, il y avait un nombre de trucs incalculables. Est-ce que j'avais moyen de sauver Simon? En fait, je pense que j'avais moyen de sauver Simon si j'avais tué le mec. Si j'avais tué le mec qui partait, la sécurité ne venait pas, Simon n'était pas blessé. Mais je voulais pas tuer quelqu'un. Et ils ont quand même noté, bon, même si derrière ils nous ont qualifié de menace, ils ont quand même noté qu'il y avait eu aucune victime, qu'on avait été pacifique, etc. À chaque fois, moi, j'ai toujours la même ligne de conduite. Je veux juste qu'on ait notre place, quoi. Je veux pas d'emmerde avec les autres. Je veux juste accepter nous, quoi. Je veux pas supplanter les humains ou quoi. Non. Je veux juste être tranquille. Bon, on va lancer la prochaine mission. Putain, c'est ouf. Chaque épisode se termine ici ou quoi? Bon, ben voilà. Mais on s'arrête là pour cet épisode. J'imagine qu'on va devoir aller voir Amanda. Bah oui, comme d'habitude, on va trouver Amanda. Bref, voilà. J'espère en tout cas que cet épisode vous aura plu. Je vais en tourner un autre après celui-ci. Merci beaucoup d'avoir regardé. On se dit à très très vite, les amis. N'oubliez pas de commenter, liker et partager, bien évidemment, la vidéo. Et n'oubliez pas également de vous abonner, d'activer la petite cloche pour ne rien louper des prochaines sorties de vidéos. C'était Sif. Bye tout le monde.